Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va incarner un orc qui va prendre sa revanche suite à un vol de son chef. Grosso modo, on va jouer à Warhammer 40 000, Shootas, Blood and Teeth. Et honnêtement, les jeux Warhammer, ça me hype toujours de fou. Et les derniers que j'avais essayés étaient pas fous, je vous avais même pas fait de vidéo dessus. Mais celui-ci, il vaut carrément le coup, vous allez voir, c'est génial. Allez, c'est parti, on teste ça. Alors voilà notre orc, et vous voyez, ça va être un jeu de plateforme 2D avec beaucoup de shoot. On va avoir plusieurs armes. Je pourrais vous montrer, vous voyez, pour l'instant on en a 3. Alors on a un petit pistolet, on a aussi un petit flingue, et celui-là il est quand même beaucoup plus efficace. Et on a surtout un gros peupon de la mort. Donc nous c'est parti, on va prendre notre revanche, ça commence maintenant. Alors la musique est juste géniale, les dessins sont magnifiques, je trouve ça vraiment terrible. Bon, le but hein, c'est d'esquiver les tirs. Hop là, tiens, le Gretchen, hop là. On va peut-être changer d'arme d'ailleurs. On a aussi des grenades, on va avoir une sorte d'ultimate aussi, vous allez voir. Il y a pas mal de choses. Alors, moi je me balade pas trop parce que je sais pas d'où ils viennent. Donc. On a aussi un coup au corps à corps, voilà. Je pensais pas vous le montrer tout de suite, mais il aurait été bien plus utile. Non mais décidément. Allez. On va reprendre le pompe. Hop là. Tiens. Et on peut manger les petits squids là, apparemment. Enfin, je crois que ça s'appelle des squids, hein. Je vous avouerai que ma période Warhammer tâte un petit peu en ce moment. Hop. Hop là. Enfin, en tout cas, en figurine, je veux dire. Hop. Et donc là, du coup, on va devoir esquiver pas mal de monde. Et surtout, on va devoir buter tous les gens qui croisent notre truc. On a une espèce de bolter. Alors, bolter orc, hein, je sais pas hop, comment ça s'appelle exactement. Mais il marche bien, il fait du dégât. Mais bon, je reste quand même beaucoup plus fan de la grosse mitraillette. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un peu de vie quelque part? On peut détruire bien sûr pas mal d'éléments du décor. Vous voyez, si je reste trop longtemps par exemple sur celui-là, là, ou s'il tire dessus, je sais plus. Mais moi, dans ma partie test, il est tombé. Alors, il y a du monde un peu par là. Bon, il n'y a pas ce que je voulais, mais tant pis, c'est pas grave. On n'en a pas besoin. Dégage. Alors, attendez, on va essayer de se débarrasser de lui. Ah, ma vie est en bas. Ma vie est en bas. Hop, dégagez. Moi, je vous mets des grands coups de tronçonneuse. Rien à foutre. Hop là. Donc voilà, faut clear un peu toutes les zones. Et ensuite avancer. Mais voilà, vous avez pas mal d'ennemis, il faut surtout esquiver en général. Ah oui, il y a un dash aussi, je vous ai pas montré. Peut-être parce que je l'utilise pas assez. Boum, tiens. Et ici. Et ici. Hop là. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, c'est magnifique. Enfin, les dessins sont jolis. Ça répond ultra bien, hein, c'est... Ah, reviens ici, toi. Et honnêtement, quand je me prends un coup, c'est pas de la faute du jeu. C'est juste quand je suis mauvais. Hop là. Oula. Je t'avais pas vu, toi. Donc, il y a des énigmes. Enfin, c'est des énigmes pour Warhammer 40 000. Hein. Donc, autant vous dire que là, il va juste falloir aller déverrouiller ce truc-là. Et pour ça, on va passer par ici. Oh, mais il y a un bronze là-haut. Tiens, mon pote. Hop là. Il y a tellement de recul sur le pompe que je tombe en arrière quand je tire. C'est bon ? Ah ouais, vraiment. Je me suis demandé si j'avais juste été mauvais. Alors, il y a des grenades aussi, je vous ai pas montré pour l'instant. Pas tarder à les voir. C'est des grenades incendiaires, c'est une sorte de cocktail molotov. Pour le coup. Hop, alors on va rentrer par ici. Là, on a de la vie. Je vais pas les utiliser là, mes grenades, ça sert pas à grand chose. Reviens, reviens. Le salaud. Hop. J'ai l'impression qu'il y en a moins que dans ma partie de TS, alors c'est peut-être parce que j'ai un peu plus géré le... Ou alors c'est que ça arrive. Après... Tiens, dégage. Quoi ? T'as encore envie ? Tiens, mon pote. On va repasser avec le... C'est quand même plus efficace. Et on peut arracher des têtes. Hop. Ouais, quand je dis que j'avais été déçu par certains jeux, c'était par exemple... Waka Waka, là, le jeu d'avion, qui était vraiment pas ouf. Pardon, je l'avais pas vu, excuse-moi. Hop, viens, allez, je te mets un petit coup. Si tu viens, je te mets un petit coup aussi à toi. Tiens, dégage. Heureusement. Dégagez. Tiens, grenade. Ah, raté. Ah, je me suis mis la grenade dessus. Non, laisse-moi partir. Ah, heureusement, il y a de la vie. Lui, il me le faut. Viens là. C'est la merde. Ouh, et bah dis donc, j'étais pas en si mauvaise posture la dernière fois, hein, par contre. Bon, bah ça aura peut-être un peu plus de challenge. Alors attention, vous avez plein de niveaux de difficulté. À mon avis, si vous
jouer en hard, ça doit être vraiment dur. Ah oui, viens, oui, un peu de... Merci beaucoup d'être venu. Non, mais... oh, même ça, ça fait reculer. Dis-donc. Ouais, c'est des armorques, hein, c'est pas fait pour rigoler, quoi. Alors, hop. Donc là, vous voyez, j'ai ma barque est complètement verte. Ça veut dire que je peux utiliser une espèce de... bah, ce que j'appelle un ulti, mais qui, grosso modo, va me rendre invincible et me faire tirer beaucoup... Ouais, je pourrais peut-être le faire pour vous. Voilà, tiens. Hop, grenade. Voilà, ça brûle. L'odeur du napalm au petit matin. Alors, je vous ai pas montré vraiment le bolter. Bon, il est pas non plus ouf. Mon ennemi, c'est mieux servir du sien, j'ai l'impression. Je devrais même pas faire des clics, des clics, je devrais maintenir la gâchette enfoncée. De toute façon, heureusement, on a des munitions illimitées sur toute l'arme. Voilà, ça dégage ou pas? Daka daka! Hop! C'est vrai que l'univers de Warhammer il est tellement propice à faire des super jeux. Bon, et par exemple, après, il y avait tous les deux nos foires, hein, qui étaient juste exceptionnels à leur époque. J'aimerais bien d'ailleurs qu'ils en fassent un nouveau. Franchement, je serais vraiment fan. Enfin. Oh, j'aurais vraiment envie de le tester. Alors, on a une valve ici, on va l'activer. Ah, on va récupérer aussi les cocktails, ça peut servir. Bon, au niveau de la vie, c'est bon, on est mieux. Dégage, dégage, dégage. Oh, il a failli me mettre un coup. Hein. Hop là. Alors, attendez. Hop, on va aller par ici. J'aurais dû faire péter les barils juste pour le fait. Tiens, dégage. Je vous attends à l'entrée. Alors, ils sont tous au corps à corps, ceux-là, donc forcément. Ils peuvent pas faire grand chose. Hop, et vous allez voir pourquoi je dis que la bande son elle est géniale. Enfin, on va avoir un boss bien évidemment et vous allez voir que la bande son elle est énorme franchement. Hop, on va changer d'arme. Ah oui, alors toi tu vas m'ouvrir directement dessus. Tac 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 tac, tiens. Rêve. Bon, après c'est l'univers de Warhammer 40 000, hein, ça reste brutal. On est pas là pour rigoler. Là. On va aller fouiller un petit peu. Je pourrais aller l'essentiel, mais réellement il y a encore des choses à voir. J'avais une armée de d'orques à une époque. Avec quelques Gretchen, enfin. Ah non, mais les gobelins de la nuit, je parle de Warhammer Battle. Moi je suis en train de dire n'importe quoi. Hop. Je savais pas s'il y avait des dégâts de chute, j'avais pas vérifié. Alors. Salut mon coco. Surprise. Il y a personne ici. Alors c'est par où la glissade? Ça doit être là. Ah bah c'est là, vous allez voir. Et honnêtement, c'est pas mal. Crève. Bon, j'ouvre un grand, j'en tire un peu sur plein de trucs, c'est pas trop vraiment ce qu'on est. Casse-toi. C'est génial. Casse-toi. Si vous me demandez pourquoi je prends mon temps, c'est que j'ai juste pas envie de me faire déglinguer comme la dernière fois. Tiens, t'as encore envie toi? Ça va tellement bien l'univers à l'orque. Ce genre de musique. Oh, dégage. Ouh, je t'avais pas vu. J'en avais un dans mon dos. Il en tombe de partout, il pleut des orques. Ah, laissez-moi partir. Là c'est quand même bien plus pratique cette passerelle parce qu'elle me permet de courir vraiment partout. Ouais, quoi que quand même, ils arrivent bien à me shooter. Hop. Et voilà, le vrai boss est là. Tiens mon pote, je suis invincible. Je suis plus invincible. Je suis plus invincible du tout. Laissez-moi descendre. J'arrive pas à aller les prendre. Oh là là, ça se passe très mal.
Hop, on s'en va, 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 on va prendre notre arme. Non, 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 mais t'es pas obligé de me tirer dessus, là. Hop. Voilà. Hop, bon, bah c'est fini. C'est qui le champion? Bon mais voilà, vu qu'on a buté le boss entre guillemets, on prend le contrôle parce que chez les orques tout est géré par la force en gros quoi, et du coup on va essayer de conquérir la galaxie en gros si j'ai bien compris. Voilà, j'espère que ça vous a plu autant que moi et que ça vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte.